À Paris, dans un établissement scolaire, Maurice Ravel, un proviseur qui avait simplement voulu faire respecter la loi de 2004 sur l'interdiction des signes extérieurs de religion, en demandant à une élève d'enlever son voile, a été menacé de mort et, au bout de quelques semaines, a démissionné pour éviter d'être égorgé. Face à cela, le ministère de l'Éducation nationale et le rectorat, comme d'habitude, ont fait preuve de la pire des lâchetés. Celle qui a abouti à la mort de Samuel Paty égorgé ou à celle de Dominique Bernard. La lâcheté. C'est inacceptable. C'est l'élève qui a menacé, qui aurait dû être puni, exclu, condamné, en prison. Mais non, dans la Macronie, c'est le proviseur qui fait respecter la loi, qui est obligé de démissionner et de fuir, et c'est le rectorat qui ose dire que c'est pour convenance personnelle, surtout pas de vague. Depuis 20 ans, à force de dire surtout pas de vague, on a une situation impossible. Il faut inverser les choses.